Pendant une journée, la santé et la sécurité ont été prêchées à l'espace trentenaire, site de l'opérateur Total EP Congo. Ce, dans le cadre de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Neuvième du genre, cette célébration est l'œuvre d'Uni Congo avec pour premier partenaire Total EP. Célébrée sous le thème « La reconnaissance pour l'amélioration de la performance HSE », la présente édition a connu un taux de participation sans égal au regard des chiffres enregistrés. 51 stands et plus de 2000 visiteurs émargeant à l'entrée. Venu distiller les valeurs sanitaires et sécuritaires, l'occasion était aussi aux entreprises de présenter leurs activités et leur savoir-faire en la matière. Là, on l'a protégé. Alors, celui-là, ici, c'est un enfant. Je bascule un peu. Vous voyez, je bascule la tête en arrière. J'ai basculé. J'ai levé ici, sur mon dos, ici, au menton. Donc, ici, je regarde. Maintenant, tout à l'heure, vous venez de dire qu'il fallait faire bouche à bouche. Vous voyez un peu. Quand je bascule, je suis là, je suis en train de regarder, je vérifie. Donc, si c'était l'adulte, ok, on a bouche à bouche, mais avec l'enfant, tu vois, le nez et puis là, la bouche. Alors, toi, tu fais ça, c'est maintenant quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire bouche à bouche? On appelle ça les airs, soufflation ou ventilation. Hein? Avant, le massage cardiaque, la compréhension, donc tu fais d'abord les soufflations. C'est bon, on est parti. Exigence protocolaire, un mot officiel a été prononcé, celui du directeur général par intérim du Total EP Congo. Donc cette journée est pour nous l'opportunité de rappeler aux entreprises l'importance de veiller à la mise en place des dispositifs d'intégration et de formation appropriés pour les jeunes travailleurs. Question de ne pas les surexposer au danger. Donc les visiteurs sont priés ici d'aller à la rencontre des entreprises qui ont des stands qui traitent de cette problématique afin de prendre connaissance des programmes qui ont été mis en place par les uns et les autres pour les jeunes travailleurs. Alors concernant le thème du groupe Total, qui est la reconnaissance pour améliorer la performance HSE, je dirais que pour notre groupe, la sécurité est une valeur. C'est aussi une bataille de tous les jours qui se mène avec humilité et vigilance. Tous les jours, les hommes et les femmes qui travaillent sur nos sites mettent tout en œuvre pour que leur travail soit fait en toute sécurité. Il est donc primordial de renforcer notre culture sécurité et améliorer nos performances HSE, de reconnaître leurs efforts quotidiens en matière de sécurité. Donc, mettre à l'honneur et célébrer l'implication et le professionnalisme des collaborateurs et des entreprises qui travaillent sur nos sites devient pour nous un pilier de notre culture sécurité. Nous devons donc respecter les règles d'or en redoublant d'efforts dans nos comportements. Nous devons oser intervenir en utilisant la stop card sans hésiter lorsque nous constatons que nos règles d'or ne sont pas du tout respectées. Et ça, c'est tout statut confondu. Ne pas hésiter à le faire, quelle que soit l'activité, le travail, le poste qu'on occupe. Donc, toutes ces intentions, toutes ces attentions, pardon, tous ces efforts doivent être reconnus. Et c'est pourquoi nous encourageons dorénavant les managers à reconnaître positivement une performance ou une initiative sécurité individuelle ou collective avec un bravo, un merci, une poignée de main. C'est aussi cela, la reconnaissance. Et nous souhaitons célébrer la sécurité, célébrer nos performances HSE et surtout encourager le déploiement d'une culture sécurité positive en mettant en avant nos bonnes pratiques. Don't realize you've never been there before.
Allocution suivie par une visite de l'ensemble des stands. Girl, I'm here for you. All those times at night when you just hurt me and just ran out with that other fella. Baby, I knew about it. I just didn't care. You just don't understand how much I love you, do you? I'm here for you. I'm not out to go out there and cheat all night, just like you did, baby, but that's alright. I love you anyway, and I'm still gonna be here for you till my dying day, baby. Au terme de la journée, la satisfaction des organisateurs était perceptible. C'est une 9e année remplie de succès. Hein. On a rempli notre mission, beaucoup de participants, beaucoup d'entreprises présentes, plus de 50 stands, plus de 10 sponsors cette année. Et beaucoup de visiteurs, tout profil confondu, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes, des élèves, des professionnels, tout profil, des officiels aussi. Voilà, on est très contents de cette journée. Uni Congo, ça fait 9 ans qu'elle se donne pour mission de célébrer cette journée en collaboration avec Total EP. En tant que représentant du secteur formel et privé au Congo,
tant qu'association patronale, nous nous devons de célébrer cette journée parce que cette journée est dédiée à la prévention de la sécurité et de la santé au travail. C'est quand même un des thèmes, si ce n'est le thème principal qu'il faut vraiment, sur lequel il faut sensibiliser le plus grand nombre, hein, parce qu'on traite des risques en entreprise. Et nous sommes bien placés pour en parler puisque chez nous, il y a 12 fédérations, 12 secteurs, hein, l'hôtellerie, le pétrole, le parapétrole, les professions libérales, l'industrie, le transport. Voilà, donc tous ces secteurs sont représentés et sont impactés par, par ce thème. Et voilà, l'idée, c'est de sensibiliser via ces entreprises, hein, puisqu'on a préparé, chaque entreprise a préparé des animations. La motivation de Total, vous savez que Total, c'est l'entreprise phare un peu au Congo et qui draine derrière elle beaucoup d'entreprises partenaires. Et donc, nous prenons la sécurité et nous voulons que, que les entreprises qui travaillent avec Total puissent avoir la même culture sécurité avec nous. Et voilà pourquoi nous organisons et nous fédérons beaucoup d'entreprises pour qu'ils travaillent avec nous dans le même sens de la sécurité. Pour la 10e édition, je pense que la 9e édition elle a été un succès. Je pense que la 10e édition sera encore meilleure et nous ferons des efforts pour faire participer le maximum d'entreprises. Là, nous avions 51 stands. Je pense que dans les prochaines éditions, nous en ferons un peu plus, avec plus d'animation, bien sûr, dans les différents stands. Pour plus d'un observateur, l'initiative d'Uni Congo et Total EP gagne de plus en plus des consciences, car les deux valeurs promues ne sont simplement pas négociables. Yes, baby, my heart is lonely. My heart hurts, baby.